On est en compagnie de la coprésidente d'honneur de ce quatrième marathon Mamou des Galeries Montagnaises de Sept-Îles, Michèle Audette, qui est également présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada. Michèle, comment trouves-tu ce grand rassemblement aujourd'hui? Une étape importante dans l'objectif de réunir les deux grandes nations que sont les Innus et les Québécois? Une étape, je dirais, je rajouterais même parfaitement réussie. C'est réussi là, comme projet. Puis c'est beau de voir la nation québécoise dans sa diversité, puis ma nation, de se côtoyer là, dans le rire, dans le goûter. Nos cinq sens ont été réveillés aujourd'hui pour les deux nations. Fait que pour moi, là, c'est une réussite. J'ai complètement là, réussi. Puis, d'ailleurs, ma famille aussi en a. On va avoir des beaux souvenirs. Ouais. Félicitations à tous les
Jean Paulier, maire de Sept-Îles. Monsieur Paulier, vous avez participé au marathon de Mamou des Galeries Montagnaises, sa 4e édition. Ça représente quoi pour la ville de Sept-Îles, un événement de cette envergure-là, événement qui rassemble les deux cultures également? C'est quelque chose d'important pour vous? Ben oui, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est rassembleur, puis on a besoin de ça. Longtemps, on parle des deux communautés. Ça, c'est une excellente occasion de rassembler tout ce monde-là. Puis de passer par-dessus nos barrières, hein? Parce qu'on le sait souvent, c'est beaucoup de préjugés, mauvaise connaissance de l'autre. Ben là, on court ensemble, on marche ensemble, puis on se parle, on s'aperçoit finalement, on se ressemble beaucoup. Puis on a eu, tout le monde, je suis convaincu aujourd'hui, beaucoup de plaisir, malgré toute cette chaleur-là. Et en même temps, heureusement, c'est une belle journée, de beau soleil. J'espère que tout ce monde-là va être là l'année prochaine, puis qu'on va être encore plus nombreux. Ça représente beaucoup pour la communauté sétilienne, le fait de tenir un événement sportif avec cette vocation-là. Oui. Les retombées sont importantes, la vitrine est bonne. Énorme, mais on se demande toujours, on dit qu'il faut se rapprocher communauté, il faut rapprocher communauté. Mais concrètement, là, la culture et le sport, c'est deux éléments clés pour le faire. Parce qu'on a bien beau dire, oh oui, il faudrait faire plein de choses, mais par où on le prend tout ça? Et là, aujourd'hui, c'est une belle occasion. On est ensemble, on fait quelque chose de simple, on s'aperçoit finalement. On y trouve tout le monde notre compte là-dedans. Là. Puis peut-être qu'on fait tomber des préjugés en même temps aussi. Fait qu'une belle occasion. Puis la prochaine fois, ça va peut-être la culture, sans doute, avec Mounikamou qui s'en vient, le festival, la chanson de Inou. Mais je sais qu'il va y avoir un bon mélange avec autochtones et non-autochtones. Donc il faut les saisir, ces occasions-là. Fait que moi, je suis bien heureux de cette participation-là, de tout le monde. Je suis content d'avoir fait mon 10 km. Déjà pour lui, maire de Sept-Îles, merci beaucoup. Ben, merci.